Oui, et j'en connais un autre qui pourrait bien se faire épingler dans la rubrique victime de la mode, c'est Julien Doré. Julien, la Lolita nouvelle star ultra lookée, eh bien nous l'avons justement rencontré. Ne lui parlez surtout pas de Nabokov, non, son écrivain référence, c'est d'Ormesson. Regardez. Eh oui, c'est bien lui, Julien Doré, la nouvelle star de 2007, celui dont on parle près de la machine à café, dans les cours de récré et les magazines People. Au JT de la musique, on l'aime aussi, tout comme sa géniale reprise d'Alizé. N'en déplaise à Mylène qui n'apprécie pas beaucoup les changements de texte. On s'est battu dans une discothèque il y a 3 jours. Enfin, on s'est griffé. Si demain j'écris une chanson et que dans quelques années, un blaireau avec des cheveux de merde vient me reprendre mon texte et me remplace Loukoum à la place de Lama, ça va me faire chier. Donc voilà. Donc je comprends. Et en même temps, bah, lisait en mini-jupe qui lisait totalement la langue au chat, c'était... Voilà, ça suscitait aussi d'autres choses. C'est pas ma faute. Julien Doré, c'est aussi celui qui réussit à faire le grand écart entre la ménagère et le branché. De façon encore plus marquée d'ailleurs que son prédécesseur. Christophe Willem a apporté quelque chose d'intéressant, vraiment, à ce type d'émission. Et je pense que c'est le seul à avoir fait ça. Peut-être que ça m'a ouvert des portes qui m'auraient pas été ouvertes un an avant, je pense. C'est vrai que Steve Estatov, dans le genre icône alternative, on a fait mieux. Julien, lui au moins, il est trash jusque dans ses goûts musicaux. Il y avait un karaoké, et c'était un bar un peu chaud de Nîmes. Et dans ce bar-là, il y avait des légionnaires qui venaient chanter, des mecs bourrés, qui chantaient Natacha Saint-Pierre. Et moi, ça me touchait grave, quoi. Musical, il est plus large que ce que je dis et ce que je cite. C'est vrai que j'aime bien me référer à des choses, à un héritage, etc. Mais en même temps, j'aime des choses qui paraissent complètement cucu à certaines personnes. Ça va jusqu'à des albums chez moi de Top Dance et compagnie. Aujourd'hui, avec le guitariste de mon groupe, on reprend des vieux morceaux de Corona. Bon, on vous rassure, l'album de Julien, prévu pour 2008, sonnera plus folk que Corona. Et le jeune artiste a saisi l'enjeu. Si cet album n'est pas à 100% ce que j'ai envie de donner à entendre aux gens, si c'est pas 12 titres que j'ai envie de défendre plus que tout, si ça ne représente pas tout ce que je respecte dans la musique et si c'est pas la symbolique du fait d'avoir ouvert ma gueule beaucoup trop de fois pendant l'émission pour dire « moi j'aime ça comme musique, je vais faire ça et personne ne m'empêchera de le faire », si c'est pas tout ça, je me casse et je vais jouer au boule dans le sud.